Messieurs, dames, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je vous accueille dans cette salle de briefing. Pour le moment, je suis seul car je lance une start-up jeune et dynamique et bientôt nous ferons le buzz. Sachez que ce soir, je passe à la télévision lors d'une publicité. Et oui, nous avons réalisé une petite parodie de publicité qui passera donc sur C8 à 19h à peu près, plus ou moins. Hein. Donc soyez là un petit peu avant, un petit peu après. Et vous verrez ça, c'est une petite blague, hein. C'est une petite boutade. Hein. Voilà, on s'est fait plaisir. Je vous ai préparé un petit tableau qui résume cette opération. Publicité sur C8, à peu près à 19h, hein, à peu près égal. Et attention, je remercie aussi Shadow puisque c'est eux qui ont payé cette petite blague. Je vous invite donc à vous filmer devant votre téléviseur, votre écran de télévision lors du passage de cette pub. Et puis vous nous taguez en story, ce sera marrant de vous voir un petit peu avec votre petit setup télé. Non, parce que nous les jeunes, on ne regarde plus la télé, on ne sait plus à quoi ça ressemble. Ça va, Jim ? Ça va très bien, toi ? Ça va. Nouvelle vidéo sur la chaîne, voilà, ça parle de cadeaux de Noël, de science, et je vous invite à aller voir ça. Merci. Planète, tout ça, les éléphants, les rhinocéros, tu connais. Du coup, tout à l'heure, j'avais soif. J'ai pris une bouteille d'eau en verre. Et du coup, j'arrive pas à l'ouvrir, ce truc-là, cette capsule. Évidemment, ne faites pas ça chez vous. Moi, je suis majeur et j'ai 6 enfants. Donc, voilà, moi, j'ai le droit, mais vous... Je savais pas que sur la fourchette il y avait ça. Voilà, je l'ai découvert. Là. Des fois on a des trucs comme ça dont on ne soupçonne pas le potentiel, je trouve. Non ? Quand je me dis que j'avais pas vu que sur ma fourchette j'avais un décapsuleur, je me dis quand même. Je suis une galère quand même. Oui, vous avez appelé la galère ? C'est moi, je crois. Oh ! Vous savez, ces histoires, je les raconte à vous, mais je n'oserais pas les raconter à des gens autour de moi. Hein. Ils se diraient, mais où est-ce que t'as... Où est-ce que t'as la tête ? Ils se diraient, mais où est-ce que t'as... Ce cocard ne part pas, hein. Ça doit faire 5 jours que c'est là, et c'est... Je sais pas combien... Peut-être je vais l'avoir à vie, en fait. Ça ? Ouais, ça, je me suis battu contre un mec qui s'appelle Amine. En fait, on était dans le bac à sable, et il m'a volé mon râteau. Et je dis, mais Amine, rends-moi mon râteau. Il m'a rendu mon râteau en me le jetant, et c'est resté. C'était en maternelle, mais je crois que ça va partir. Là, clairement, on dirait que je me suis maquillé. Ou on dirait que j'ai du curry au coin de l'œil. Ça ? Ah, je pense que c'est du curry. J'ai mangé n'importe comment ce midi. Hein ? Par contre, il n'y a que moi qui fais des blagues sur moi, s'il te plaît. Si tu... Oui, Susceptible. Voilà ce qu'il voulait dire. Susceptible. Il est vrai qu'il a souvent des problèmes de diction, liés à une enfance chaotique. Son père, un soir de Noël, avec un peu trop d'alcool dans les veines, ouvrit le cadeau de son fils, pensant qu'il lui était destiné. Je vais les tester dehors, je reviens tout de suite! C'était la dernière fois qu'il voyait son papa. Plus de papa, plus de roller. Ouh! Énorme ces rollers! Le petit Freddy devra faire avec. Ou plutôt, sans. Il s'agissait d'une paire de rollers. Ouh! Énorme ces rollers! Matza, fiston, la fluidité dans les déplacements, on dirait une anguille! Je vais les tester dehors, je reviens tout de suite!
Voilà, maintenant que vous savez tout, laissez-moi bafouiller tranquille, merci. Comme vous avez pu le voir, j'ai plus de voix. Il y a eu 2000 commentaires sur ma photo comme quoi j'ai arrêté l'alcool pendant un mois. Mais ce que je me suis pas rendu compte, ce que j'ai pas fait attention, c'est que c'est les fêtes. Hein, c'est les fêtes et tout ça, donc je vais d'office craquer un moment ou un autre parce qu'on est, on est des humains avant tout et c'est la fête, c'est la fin d'année. Donc ce que je me suis dit, si vous l'acceptez, c'est que je commence mon challenge le 2 janvier. Donc du 2 janvier au 2 février, je ne bois pas une seule goutte d'alcool. Est-ce que vous, s'il vous plaît, me laissez faire ça? Laissez-moi les fêtes, s'il vous plaît. Alors là, hein, bah on s'est fait plaisir. Je vois qu'il y aura beaucoup de reliques sous le sapin. Ça fait plaisir. Merci beaucoup de votre confiance. J'espère que ça va vous plaire. Hein, ceux qui vont le recevoir en cadeau, bon bah voilà, j'espère que ce sera une bonne surprise. Hein. Et puis c'est en cours de restockage. Voilà, pour ceux qui voulaient se procurer un hoodie blanc, un hoodie noir dans la bonne taille et qui n'est plus disponible, c'est en cours de restockage. Voilà, ça met du temps parce qu'on veut bien faire les choses. Je dirais, voilà quoi, début janvier, mi-janvier, ce sera là, bien sûr, je l'annoncerai. Wesh, tu fais quoi en fait? T'attends quoi? Évidemment. Venez-vous sur l'explosif pour être au courant, ça c'est sûr. T'es fauché! Ouais, je parle à ma chaussure, ouais, bien sûr, hein. Il fait beau, ça fait plaisir. J'étais là dans mon salon tranquillement, en train de me balader avec mon polar dégueulasse qui ne me donne aucun swag, mais qui me donne chaud. Je parlais bien sûr de mon legging terming de ballerine qui me donne un swag extrêmement tendu et gainé, n'est-ce pas? Le swag n'est pas de la partie aujourd'hui, hein. Ça c'est sûr, il est resté dans mon lit quelque part, il n'a pas voulu se lever, ça c'est sûr. Et tout ça pour vous dire que demain je sors, voilà, comme ça, hein, une nouvelle vidéo. Alors évidemment, ça n'est pas un MSF, mais c'est une vidéo secrète, si je puis dire, hein, dont personne n'a entendu parler. Je pense, si ce n'est une centaine de personnes peut-être. Ah, on est intrigués. Eh, regardez de quoi je joue. Eh, devinez. Eh, regardez. Vous avez trop envie de savoir de quoi je joue, regardez. La flûte, je pense. Maskov, futur. Il joue de la flûte. Il joue de la flûte. T'es un flûtiste. Ah, regardez. C'est ça la vanne. Bonsoir à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je fais cette petite story ce soir parce qu'il y a un truc qui m'a fait marrer. Aujourd'hui, j'ai reçu des messages de gens qui m'ont dit « Regarde l'émission Les Amours ». À la télé, il y a une fille qui est fan de toi et on a parlé de toi à la télé. Et du coup, moi, j'étais curieux. Je me suis dit « Bon, tiens, on a parlé de moi, mais de quelle manière ?» J'ai été curieux, je vais aller voir. Et je trouvais ça assez drôle. Je vous partage l'extrait. Vous aimez quoi, vous, Morgane? Moi, je suis plus rock, les Red Hot, tout ça. D'accord. Et puis, mode, c'est plus des trucs où elle va aller voir avec ses copines. Ou... Maxence. Ah ouais. Ah ouais, non, pas celui-là, non. Bah si. Alors, je vous avoue que j'ai eu la même réaction de vous. On a du Maxence, on vous écoute. Vous savez... Ah non, vous avez... Maud, c'est une bonne réponse, mais c'était la musique. Ouais, j'espère, parce qu'avec ça... Un bisou. Pas celle-là, en plus. Oh là là. Pas celle-là, s'il vous plaît. C'est ça, vous voyez, c'est super connu. Osez me dire que quelqu'un ici connaissait ça, sérieusement. Voilà. Mais justement. Merci. Bah bien sûr, Maxence. Ouais. Merci. J'ai donc deux choses à répondre à ça. La première, c'est que Maud, merci, tu gères de ouf. Ça fait évidemment toujours plaisir quand quelqu'un kiffe ta musique, qu'il en parle. Donc là, c'est à la télé, donc, bref. Peu importe le support, merci, du fond du cœur, tu gères. Et la deuxième chose, c'est que du coup, mais je vous invite... Quand vous voulez un de mes concerts, si je passe près de chez vous, regardez les dates, envoyez-moi un message. Je vous invite, mais avec plaisir. Morgane, évidemment, je t'en veux pas. Tous les goûts sont dans la nature. Et en vrai, je trouve ça trop drôle que je sois un sujet de discorde dans un couple. Mais je suis certain, t'as cité des influences rock qui me parlent. Je suis certain qu'en live, tu serais agréablement surpris parce que, honnêtement, l'aspect rock, voire métal, il est bien présent à mes concerts. Je suis avec des musiciens, ça joue musique. Et voilà, je suis sûr que tu seras, parce que je sais que tu vas venir agréablement surpris. Donc voilà, n'hésitez pas, envoyez-leur des messages, montrez-leur ma story si vous les connaissez, ou alors Maud ou Morgane, si vous voyez directement ça, contactez-moi, je vous invite avec plaisir. Et j'ai une dernière chose à rajouter, vous êtes trop mignons ensemble, et Philippe et Anne, ils ont gagné, quoi. Désolé, j'ai spoilé. Mais en vrai, vous méritiez de ouf, vous êtes trop cute.
Font chier ces vieux là. En vrai, vous êtes trop cute. Pour celles et ceux qui ont regardé... La voix, vraiment la voix. Pour celles et ceux qui ont regardé Quotidien ce soir, vous avez appris la nouvelle. On va donc faire un prime sur TMC. On va retourner à nos premières amours, comme à l'époque du Fat Show, de la télévision. Et ça va être fou. Ça va être complètement fou. Et aussi la vidéo de dimanche. On vient de finir de la monter à l'instant, ça exporte. Elle est folle. Mais la vidéo de dimanche 29, les amis. La vidéo de dimanche 29. Et aussi ça. Alors ça, c'est fou. C'est ma vraie voix. Ça, c'est une dinguerie, putain. Mais les gars, vous êtes fous. En plus, notre vidéo de dimanche, c'est une vidéo sur Noël. Et regardez ça. Il m'envoie ça, Electronic Arts. Star Wars, je sais pas si vous connaissez. En fait, je suis choqué. C'est beaucoup trop stylé. Regardez-moi. Ce sabre laser. Sur son prémontoire. Sabre laser qui appartient sûrement à Dark Vador, bien sûr. C'est une vanne pour Dark Vador, évidemment que c'est à Chewbacca. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Je ne sais même plus qui remercier. Quelle licence. Disney, Electronic Arts, Star Wars. Vraiment, Luke Skywalker lui-même, on ne sait pas. Par contre, il y a un truc qui n'est pas une vanne. C'est que je vais vous faire gagner des codes Xbox et des codes pour jouer au jeu, tout simplement. Ça va être très simple. Vous allez me spammer la gueule sur le mail, lefatshow@gmail.com. Et vous m'écrivez, je ne veux en aucun cas de tes codes. Charlatan, je n'ai pas besoin de toi.